On reste dans ce chapitre élection. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec Sophia Wallet-King, chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni au siège de la centrale électorale. Les échanges entre ces deux personnalités étaient centrés sur la bonne tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Occasion pour le Royaume-Uni de confirmer son soutien au profit d'un processus électoral apaisé en RDC. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale, mais particulièrement le Royaume-Uni, au sujet des élections. Et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale, mais aussi des processus des élections. Et c'est un échange très riche et très important. Et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de profondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples congolais. Nous sommes avec vous, nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections, mais bien sûr il aura le soutien politique, mais aussi le soutien programmatique, mais à ce moment nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce